I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, ooh, ooh. I wanna take you out. Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux, et je suis ravie de vous retrouver pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue, parce qu'en ce moment il y a pas mal de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je suis donc Elodie, j'ai 33 ans, je vis à Marseille avec mon amoureux et mon chat. Je travaille dans l'immobilier et je tiens un podcast dédié au tricot depuis 7 ans grosso modo. Donc vous pouvez me retrouver à peu près toutes les semaines pour une vidéo format vlog où je vous embarque tout au long de ma semaine pour voir les différentes avancées sur mes différents projets en cours, et de temps en temps sur des formats podcasts qui sont un peu plus formels. Pour commencer, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Finalement, je vais peut-être réussir à sortir quand même un vlog par semaine sur le courant de mois de mars, parce que comme je vous le disais, je garde tous les lundis, qui est mon jour de repos, ma filleule pour dépanner mes meilleurs amis parce qu'ils ont des petits soucis de garde. Et du coup, elle a 1 an et demi, donc autant vous dire que filmer et tricoter sur une journée où on garde une petite fille de 1 an et demi, ce n'est absolument pas possible. Mais c'était super cool, elle a vraiment été adorable. J'ai quand même réussi à tricoter 2-3 rangs sur sa petite sieste du matin. Mais du coup, comme il faisait beau, pour bien l'occuper, on a fait parc le matin avec des jeux d'enfants, parc l'après-midi avec des jeux d'enfants, donc la journée est quand même passée bien vite, donc c'était super sympa. Et puis ça me permet de tisser du lien avec elle, donc c'est très cool. Mais donc, pour parler de ce qui nous intéresse le plus, le tricot, pour démarrer cette semaine, je vais faire un point sur mes différents encours, vous dire un peu ce que j'aimerais faire pendant cette semaine. Il y a un encours que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je l'ai amené au boulot, donc je ne l'ai pas avec moi, mais c'est pas grave. La première chose dont je vais vous parler, c'est que j'ai quand même... déjà, vous dire qu'aujourd'hui je porte mon pull Triscao de Long avec Anna, qui est un modèle gratuit, de petits pulls avec un système de raglan. C'est un pull que j'ai tricoté déjà en 3 versions différentes, que je vais probablement me refaire, et qui a l'avantage de passer dans 2 échevaux jusqu'à la taille 95, il me semble. Même 100 je crois, et puis donc c'est un mélange de fingering plus mohair, et donc ça c'est dans des superbes laines coloris poire au vin de The Woolieskin, donc en single et mohair. Donc ça peluche, faudrait que j'achète un peigne à mohair. Donc voilà, et donc je suis contente, je le porte avec une jupe haute. Et de face, on dirait presque pas que je suis enceinte avec le noir. Et puis voilà, avec mon petit bidou qui pousse, qui pousse, qui pousse. Donc, première chose dont je voulais vous parler, c'est que je suis un peu dégoûtée. J'ai quand même une petite mésaventure avec mon pull Pinkfizz. Donc le pull Pinkfizz, c'est ce pull. C'est un modèle de Andrea Mowry que je tricote en cale avec plusieurs personnes de mon groupe Discord. Et donc, la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais en train de le bloquer. Et donc, le blocage est terminé et les manches sont déjà... En fait, là, sans avoir tricoté les côtes, mes manches arrivent déjà ici. Et elles sont trop larges. J'aime pas le rendu. Elles sont trop larges. Mais le pire, c'est qu'en les tricotant, c'est ce que je me disais déjà. Je me disais, Elodie, tu vas pas aimer, c'est trop large. Mais j'ai été têtue, j'ai voulu suivre les instructions du patron, et grâce à ça, je vais avoir le droit de détricoter mes 2 manches. Parce que je sais que je vais pas aimer le porter comme ça, faut que je fasse plus de diminution, faut qu'elle soit un peu moins longue pour que je puisse faire les côtes, enfin bon, donc voilà. Donc je vais détricoter mes deux manches que j'avais quasiment terminées, il me restait que les côtes. Je vais détricoter les deux manches et en fait je vais relever le nombre de mailles qui correspond à la taille d'en dessous. Donc là j'ai tricoté le pull en taille 3 et donc les manches je vais les faire sur l'équivalent de la taille 2 pour pas qu'elles soient trop larges. Ça devrait pas poser de problème au niveau de l'emmanchure parce que j'ai l'impression que je suis un peu plus large au final que mon emmanchure, donc c'est pas très grave. Et puis je pense que ça sera mieux comme ça. Mais bon, c'est pas très grave parce que les manches, étant donné que ma manche elle commence ici, en fait elles sont rapides à faire. Je crois que j'avais dû mettre, enfin si je me mets à fond en un jour et demi, je peux tricoter une manche. Donc d'ici la fin de semaine, objectif que ça soit terminé, il faut que je m'occupe de les détricoter pour commencer. Et puis de relever les mailles et de recommencer ça. Donc je vais commencer ça aujourd'hui devant Koh Lanta, parce que l'avantage c'est que c'est du tricot zéro cerveau, c'est du jersey tout droit, donc je m'occuperai de détricoter. Ah bah vous savez ce que je vais faire, je vais commencer à détricoter devant vous, en vous parlant, comme ça au moins ça me fera gagner un petit peu de temps pour ce soir. Ensuite, je voulais vous parler dans mes différents encours de mes chaussettes Una. Alors mes chaussettes Una, c'est un modèle de chaussettes du livre 52 Weeks of Socks que j'ai démarré déjà depuis 3 semaines je pense à peu près et qui n'avance pas beaucoup hein, parce que je m'étais un peu éparpillée au niveau des encours, mais maintenant que j'ai diminué mon nombre d'encours, je ne suis plus qu'à 4, je vais pouvoir les reprendre et les avancer de manière un peu plus rapide. J'aimerais bien cette semaine arriver au talon, voilà. Finir de tricoter la tige, alors ça sera largement faisable hein, parce que là j'ai déjà fait une bonne petite partie. Et donc c'est des chaussettes que je tricote dans la base Figaro du chat qui tricote, coloris fleurs séchées, qui est un très joli coloris. En cours suivant que j'ai à vous montrer, donc celui qui est au boulot c'est le châle monarque de laine poudrée, mais donc du coup je vous en reparlerai plus tard dans la semaine. L'encours suivant que j'ai avec moi et que je peux vous montrer c'est mon pull Ranunculus de Midori Hirose. J'ai tellement mal prononcé son nom dans le vlog de la semaine dernière, mais bon c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur. Donc mon Ranunculus qui a avancé depuis que je vous l'ai montré la semaine dernière parce que j'ai séparé, j'ai terminé le yoke, j'ai séparé les manches et le corps et donc là je suis en train de commencer le corps. Je peux pas très bien vous le montrer parce que je suis sur un petit câble donc c'est pas l'idéal, mais donc j'ai tricoté peut-être 4 cm à peu près sous la manchure. L'avantage c'est qu'en aiguille 7 ça va très très vite. Donc c'est ouais, très plaisant de tricoter ce modèle, la dentelle était sympa, très facile. C'est un modèle que vous pouvez tout à fait réaliser si vous êtes débutante, que vous avez déjà réalisé un ou deux pulls, il n'y a pas du tout de crainte à avoir, il est facile à faire. Il n'y a rien de trop compliqué, il y a un montage de mailles qui est un peu particulier, mais sinon ouais, rien de trop compliqué. Donc cette semaine je vais l'avancer tranquillement, pas vraiment de... En fait non, cette semaine vraiment ce que j'aimerais faire en priorité, c'est finir mon Pinkfizz, comme ça ça fera un ouvrage en cours en moins. Finir mon Pinkfizz, finir également mon étole, mon châle monarque, parce que mine de rien ça fait un petit moment que je l'ai démarré et puis je suis plus très loin de l'avoir terminé parce que... J'en suis où? J'en suis à 6 répétitions et demie du motif de dentelle, en sachant que normalement, selon mes calculs, qui vous ont bien fait rire dans la vidéo de la semaine dernière, selon les calculs que j'ai fait, grosso modo, je pense que j'ai besoin de faire 8 répétitions pour atteindre du coup la taille, la longueur d'ouvrage que j'ai envie. Donc vraiment la priorité cette semaine, c'est de finir ces deux-là, de finir le Pinkfizz et finir le châle monarque. Parce que comme ça j'aurai plus que les chaussettes et le pull Ranunculus et ça me permettra de lancer un nouvel encours parce que en réalité j'en aurai même 2 dans l'absolu à faire parce que j'ai prévu de tricoter en duo avec ma copine Amy Sokonit une petite robe pour la future, pour le bébé en cours de route et donc du coup faut que je l'attaque, ça fait 2 semaines que Amy a commencé la sienne, moi j'ai toujours pas commencé la mienne donc faudrait que je m'y mette. Et j'ai également prévu de monter un pull Whitmore, donc, qui est un modèle très connu de Amy Lowden, que pas mal de personnes se mettent à retricoter en ce moment. Et donc moi ça faisait très longtemps que je voulais tricoter, et en regardant le podcast de Ségolène, podcast du Této, il y a peu de temps, Ségolène disait qu'elle allait le faire. Donc du coup je lui ai envoyé un message en lui disant bah écoute si ça te dit, moi j'aimerais bien tricoter Whitmore aussi, par contre attends-moi un petit peu parce que je suis pas encore prête pour le tricoter, j'ai trop d'encours. Et donc Ségolène a dit pas de soucis, je t'attends, et là je lui ai envoyé un message pour savoir où elle en était, et elle va le démarrer cette semaine. Bah du coup voilà, c'est pour ça, pour pas non plus encore une fois trop me disperser, je vais terminer le Pinkfizz. Quand j'ai terminé le Pinkfizz, je m'autoriserai de monter le Whitmore éventuellement, et en parallèle je tricoterai un maximum le châle Monarque pour pouvoir pareil, pour pouvoir le terminer si possible au courant de la semaine. Normalement les deux sont faisables parce que en gros j'en ai pour l'équivalent de 3 jours pour tricoter le Pinkfizz, de 3 soirées de tricot en fait, je compte ça comme ça, et puis le châle Monarque en vrai c'est des rangs de 30 mailles, donc c'est très rapide à tricoter, et après à la fin comme je vais devoir faire des diminutions, les diminutions plus ça va passer plus ça va être rapide à tricoter, donc normalement ça devrait pas être trop long je pense pour faire tout ça. Donc voilà un peu pour le programme de cette semaine. Sinon pendant le week-end j'ai regardé pas mal de podcasts. J'ai regardé le dernier podcast de Manu, Miss Manu au naturel, qui du coup a lancé aussi un ranunculus en cours de route sur un dégradé plutôt en fil d'été. J'ai regardé Corinne, la provinciale, qui a sorti un nouvel épisode en duo avec une amie à elle de Montpellier. Du coup je me suis abonnée à sa chaîne aussi parce qu'elle a un podcast également, et à son compte Insta parce que super sympa, c'était cool de... Moi j'aime beaucoup les podcasts en duo, je trouve ça cool. Et puis sinon que dire, j'ai regardé quoi d'autre, j'ai regardé... pas Christelle et Maï et moi parce qu'elle est en vacances, du coup elle sort pas de vidéo en ce moment, ça me manque un peu, je suis habituée à regarder Christelle toutes les semaines. Mais sinon j'ai regardé la dernière vidéo de Chantal. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme vlog? Mon cerveau il marche tellement mal en ce moment, c'est compliqué pour moi. J'ai vu là tout à l'heure qu'il y a Méthylaine dont je vous avais parlé il y a quelques vidéos là, qui a sorti un nouveau podcast aujourd'hui, donc je regarderai ça probablement demain matin je pense, je vais voir. Mais donc il y a plein de podcasts super cool. On m'a conseillé aussi d'aller voir dans les commentaires qu'on m'a laissé la semaine dernière, d'aller voir une chaîne qui s'appelle My My My. Alors je sais pas si vous connaissez, faut que j'aille jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne. On m'a dit que c'était une chaîne qui faisait des podcasts hyper sympas, donc à voir. Et ben écoutez, c'est tout pour cette première séquence de vlog. Je vais continuer de détricoter ma manche. Et puis écoutez, on se retrouvera dans la semaine pour que je puisse vous montrer un peu ce que j'ai vraiment réussi à faire de mes petits plans. Et ce qui me reste à faire. Donc on se retrouve plus tard. C'est mercredi midi, je reviens vous voir avant de retourner bosser après ma pause déjeuner. Juste pour vous parler rapidement de mon Pinkfizz, parce que donc hier j'ai réussi à détricoter la totalité de la première manche. Et j'ai quasiment terminé de la recommencer, la taille en dessous, et c'est nettement mieux. Je vais le passer pour pouvoir vous montrer, mais... déjà il y a quand même 10 mailles de différence entre les deux tailles, donc ce qui est énorme en fait sur un échantillon qui est tricoté en 4, 4,5, et pour vous rendre compte, regardez la différence de largeur de la manche, c'est quand même assez impressionnant quoi. Donc je vais le passer tout de suite pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Je suis contente parce que le coloris je trouve me va bien au teint, donc je suis contente, je saurais que je pourrais en tricoter plus sur des coloris un peu comme ça, un peu parme, d'autant que depuis que je suis enceinte je me maquille quand même moins parce que j'évite de trop me foutre des produits sur la tête. Mais donc bref, alors pour essayer de vous montrer, je vais me reculer un petit peu. Donc voilà ce que ça donnait, vous voyez, c'était beaucoup trop large. J'aime pas en fait, moi j'aime pas avoir des manches trop larges quand... alors sauf si vraiment c'est un pull comment dire, je suis désolée vous voyez pas ma tête, sauf si vraiment c'est un pull gros col roulé avec des manches vraiment très larges jusqu'au bout, mais à partir du moment où on fait les diminutions je vois pas l'intérêt, et sur ce modèle qui est boxy comme ça je préfère avoir des manches qui soient plus cintrées, et donc là c'est le cas, voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien la manche, enfin j'ai un petit peu de rab de tissu mais pas beaucoup, et du coup ça c'est parfait, je trouve ça parfait le tombé de la manche comme ça par rapport à l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je préfère largement. Et donc là je suis en train de tricoter les côtes de deux qu'on doit faire sur le bas de la manche. Je n'ai pas pris le temps, enfin comment dire, j'ai détricoté ma laine en tirant et je l'ai retricoté direct, donc c'est pour ça que vous verrez que le point il est moins régulier, mais je pense que ça devrait se lisser normalement au lavage. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils détricotent, relavent la laine. Moi le problème c'est que là, comme c'était un mélange de fingering et mohair, concrètement c'était infaisable, donc en fait j'ai tout détricoté en laissant ensemble. Parce que je voyais pas comment faire sinon quoi. Donc bah écoutez, j'espère que ça va se lisser. Si ça se lisse pas au max, tant pis, hein, ça m'empêchera pas de le porter. Mais voilà, je suis contente parce que honnêtement, avec la manche comme ça, je l'aurais pas porté. Donc j'ai bien fait de le reprendre. Et je suis vraiment contente, je pensais pas que ça m'irait aussi bien au teint. J'avais peur que ça soit un peu fade, mais en fait non. Bon bah tant mieux. Donc voilà, donc là l'objectif, parce que c'est cool, on est que mercredi, j'ai bien carburé et puis bah du coup la manche elle est quand même plus rapide à faire parce qu'il y a moins de mailles forcément. Mais donc là l'objectif c'est de la finir celle-ci aujourd'hui et de détricoter et attaquer la deuxième manche pour idéalement finir la deuxième manche demain soir. Comme ça, bah, surtout que demain soir je vais avoir pas mal de temps de tricot parce que Chérie va être au stade. On a l'OM qui joue un match de Ligue... Enfin, pas de Ligue des Champions, malheureusement. De Ligue Europa, donc de Coupe européenne. Donc voilà, donc ça va être la grosse fête. Donc Chérie, à mon avis, va y être tôt. Et va potentiellement rentrer tard si l'OM gagne. On croise les doigts. Mais donc, du coup, voilà, quand je vais rentrer du boulot, je vais être toute seule à la maison. Je vais avoir une soirée plein tricot. Donc j'aimerais bien finir la deuxième manche demain soir. Comme ça, je peux le laver, le bloquer d'ici la fin du vlog. Et je pourrais commencer à le porter parce que j'ai trop hâte de le porter. Je vais être bien dedans. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il est chaud, mais pas trop. C'est un peu comme mon Ingrid sweater que je porte aujourd'hui, que je portais en début de vidéo. C'est des modèles, du coup, que... Comme on est sur des mailles qui sont assez aérées, on n'est pas sur fingering plus mohair tricoté serré de manière dense, et que en plus il y a un petit peu de nylon ou d'ortie en fonction des bases, bah, du coup c'est pas trop chaud, donc c'est parfait pour les météos marseillaises, hein, parce qu'on va pas... Alors sauf aujourd'hui on a vraiment du mistral, il fait très froid, mais sinon le reste du temps on a de la chance d'avoir une météo qui est très clémente. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser parce que je vais retourner bosser. Donc on se retrouve plus tard pour vous montrer, je l'espère, ce magnifique Pinkfizz terminé. Once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Midi pour ma pause déjeuner. Je suis toute seule là ce midi parce que Chérie est à l'anniversaire de sa filleule, auquel bah, j'ai pas pu aller parce que faire l'aller-retour entre midi et deux sur ma pause c'était pas faisable. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Belden de Lang avec Anna, donc c'est un patron que je porte pas assez, que j'ai terminé fin décembre et que j'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Elle, dans son modèle, c'est un patron qu'elle a tricoté en doublant de la fingering et du mohair. Mais donc moi, pour un effet un peu plus rustique, j'ai utilisé de la Gilliatt et je trouve que le point brioche, il ressort très bien, en brioche comme ça. Les manches sont un peu courtes. Au prochain lavage, j'essaierai de les étirer un peu plus. Mais sinon, rien à dire de spécial. Je suis très contente de l'avoir fait, ce patron. Il est très bien écrit. Pas compliqué. Après, il faut peut-être pas se lancer là-dedans si vous avez jamais fait de pull en raglan et jamais fait de brioche. Mais si vous voulez... Alors, il y a des augmentations brioche, donc c'est pas que de la brioche tout droit, c'est pas non plus simplissime, mais franchement, c'est pas non plus méga compliqué, quoi. Ça se fait. Donc, à vous de voir selon votre courage, je sais pas si c'est le bon mot, mais selon votre personnalité, si vous êtes du genre fonceuse ou pas. C'est pas inatteignable pour quelqu'un de débrouillard et qui aime bien les petits challenges hein, sur un premier ouvrage. Après, pour quelqu'un qui a déjà tricoté des pulls et de la brioche, hyper facile hein, ce pull, hein, pas de souci. Donc je reviens vous voir comme convenu pour clôturer la semaine, j'ai pas mal de choses à vous dire, je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais commencer par vous montrer mon châle monarque, que vous n'avez pas vu de la semaine, donc c'est pour ça, il est temps. Je suis en train de faire la 9e répétition du motif de dentelle, j'avoue je commence à en avoir un peu marre de la dentelle, donc je suis bien contente d'arriver au bout. Mais donc, je suis sur la 9e répétition. J'ai pas remesuré, mais à mon avis, là, je dois être autour des 1m30, 40, voire 1m50. Ça y est, ça rentre plus. Mais globalement, en sachant qu'il n'est pas, pas bloqué, il n'est pas étiré, là, en fait, il me reste à finir la répétition, à faire ma pointe. Et du coup, j'ai le châle étole, quoi, qui est terminé. Je me suis rendu compte que je vous dis que des bêtises depuis 2 semaines en vous parlant de tricoter sur une 30aine de mailles. Pas du tout, il y a 60 mailles. Hein. Je sais pas pourquoi je vous parle de 30. En fait, il n'y a pas de logique parce qu'au début, je me suis dit peut-être que 30 dans ma tête, c'était ce qu'il y avait entre ces deux marqueurs-là. Hop. Entre les deux marqueurs qui sont ici, la partie dentelle, mais non, c'est 22 mailles. Donc je ne sais pas pourquoi je vous parlais de 30 mailles à chaque fois. Mais en l'occurrence, non, c'est bien, plus de 60 mailles. Hein. Donc voilà, je sais pas si je vais pas quand même devoir faire une 10e répétition du motif pour être sûre qu'il y ait la bonne ampleur, la bonne longueur. Normalement il est censé faire 1m80, je me dis qu'au blocage il va peut-être prendre un tout petit peu, faudrait que je le mesure pour voir ce que je fais. Mais donc pour rappel, je le tricote dans 2 laines. Alors dans une laine qui est composée de yak, soie et mérinos, de petits bouts de laine. Donc c'est une laine qui a un retors, en fait, il y a 2 brins qui sont tordus ensemble. Et donc c'est des laines qui m'avaient été offertes par Pascal il y a grave longtemps quand j'étais retournée vivre à Grenoble. Donc en 2015 je dirais, ou 2016. Et je double ça, non pas du tout, 2018, je dis n'importe quoi, 2018. Et donc je double ça avec du mohair de chez Lang, le coloris... Le coloris, c'est le combien déjà? C'est le 68. Et donc là, je suis sur ma 2e pelote de 25 grammes du mohair. Et je suis toujours sur mon premier écheveau de fingering. Mais en sachant que c'est de la fingering de 480 mètres aux 120 grammes. Donc c'est normal qu'il m'en reste encore, parce que sinon c'est un châle que vous pouvez faire, qui tient normalement dans un écheveau. Moi je le tricote en aiguille 4 au lieu de le tricoter en aiguille 4,5 pour avoir un rendu de maille plus serré. Donc c'est ce qui fait aussi que j'ai peut-être un peu plus de répétition du motif de dentelle à faire forcément. Mais donc voilà, le principe de ce châle c'est que de chaque côté vous avez un petit motif un peu torsade. Ensuite, vous avez des côtes semi-torse et sur la partie centrale, vous avez une belle dentelle japonaise qui est quasiment la même que celle de mon pull Pinkfizz d'Andrea Mowry, dont je vais vous parler juste après. Ça nous fait une bonne transition. Hop, je range juste ça, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Et donc, le Pinkfizz d'Andrea Mowry est terminé. J'ai 2 manches, j'ai un corps, j'ai tout. Il n'est pas bloqué encore. Mais donc voilà, j'ai la première manche, tout le corps, et la 2e manche. Et donc vous voyez, la dentelle est assez identique à la dentelle du monarque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le passer vite fait pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà ce que donne le Pinkfizz porté. Donc niveau longueur au dos c'est parfait, je suis juste en haut des fesses. Devant il est un poil court par rapport à la grossesse qui est en cours, mais je pense que si, en étant pas enceinte, la longueur sera parfaite. Au niveau des manches, donc elles sont pas bloquées encore hein, les manches, mais donc voilà ce que ça donne au niveau du fit. Donc ça me fait des manches qui sont cintrées avec mes comptes quand même de la matière, hein, je suis pas non plus serrée dedans, donc je préfère comme ça. Et puis bah, les deux beaux panneaux de dentelle, hein, il est vraiment joli. Je suis super contente du résultat. Comme je vous l'avais dit, à partir du moment où je terminais mon pull Pinkfizz, je m'autorisais de monter un nouvel ouvrage. Et donc j'ai monté hier soir en même temps que Ségolène le Pinkfizz, pas du tout, le pull Whitmore de Amy Lowden. Donc, hop, je vous sors juste les laines pour pouvoir vous montrer ça. Donc pour rappel, je tricote ça à Ron. Salut Bi, Aaron, désolée je fais une parenthèse, salut Bi en ce moment c'est de se foutre sous les plaids, quelle que soit la difficulté à accéder le dessous de plaid. Et là en l'occurrence j'ai mes laines de chez Au fil d'horus que j'ai reçues qui sont posées sur le plaid, et malgré tout il essaye de s'enfouir. Enfin... donc je tricote ça en petit pont parisien mohair que je double avec de la laine de chez Guépard, la qualité Wild and Soft, je sais pas si vous verrez grand chose, mais donc... Alors je fais attention parce que je navigue entre mon Monarque et le Whitmore avec la même taille d'aiguille. Donc là j'ai pas d'aiguille sur le Whitmore, donc pour éviter les bêtises, je vais mettre des aiguilles parce que je sens trop le truc où je vais perdre des mailles sinon, en vous montrant. Et on va éviter. Donc en attendant que je fais ça, donc le Whitmore, qui est un modèle que tout le monde connaît, qui est en train d'être tricoté en ce moment, notamment par le Demoiselle, et donc que j'ai tricoté avec Ségolène en duo. Hop. Et donc voilà, donc les laines ça donne ça, le mohair en cake et la guéparde qui est une qualité de fil avec du mérinos et de la soie de Tussa. Et voilà mon début qui est déjà bien avancé parce que je n'ai pas pu le lâcher. Donc hier soir j'ai monté les mailles, j'ai tricoté toutes les côtes en aiguille 3,25. J'ai fait un German Twisted Cast On en montage. Dans son patron, elle indique de faire un long tail. Mais je préfère quand même la petite finition que vous avez sur le German Short Rose. Sur le German Twisted Cast On, pardon. Pour moi, c'est le juste milieu entre un montage tubulaire qui prend trop de temps, j'ai la flemme, et un long tail cast On dont la finition de montage n'est pas très belle. Donc voilà, c'est un peu ma solution quand je veux un montage un peu élastique avec une finition un peu plus jolie que le long tail. Donc hier soir j'ai tricoté 4 cm de côte en aiguille 3,25, j'ai fait le premier rang du motif de dentelle et ce matin je me suis réveillée tôt et j'ai tricoté et du coup j'ai pu tricoter une dizaine de rangs du motif. Donc voilà ce que ça donne, oh, je suis tellement contente de mon mélange de fils, je trouve ça tellement délicat et joli, oh, c'est trop cool. Donc il y a des anneaux de marqueurs dans tous les sens pour être sûr de ne pas se tromper au niveau du motif. Et donc pour suivre la dentelle, j'ai mis mon contrant Ars Mirabilia que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Il est hyper addictif pour le coup, j'ai pas envie de le lâcher, c'est très compliqué pour moi de le lâcher. Ce matin je suis arrivée presque en retard au travail à cause de cet ouvrage. Et du coup ce matin sur Insta il y a Imelda de Méthylaine... dont je vous ai parlé déjà et que je vous recommande d'aller voir si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube. Imelda, elle l'a tricotée aussi dans un très beau mélange d'ailleurs. Elle l'a tricotée en By Night, une qualité tweedée et le mohair de By Night. Et elle est très belle sa version. Et bref, elle m'a envoyé un message justement en me disant « Tu verras, il est addictif ». Je te confirme qu'il est effectivement addictif. Donc voilà, mon bébé, mon petit début sur le Whitmore, mais qui est plutôt un gros début au final. J'ai quand même bien carburé. Je suis les indications du patron et je tricote en aiguille 4 parce que comme la tussard, enfin la laine de guéparde est un peu fine, j'avais peur qu'en tricotant en 4,5 ça soit un peu trop déjaugé. Et donc ce que je vais faire c'est qu'en fait comme j'hésite entre deux tailles et que j'ai vu qu'en fait ça, ce choix là j'aurais besoin de le faire qu'après le yoke, je vais déjà tricoter tout le yoke, je vais l'essayer pour voir ce que ça donne et puis j'aviserai la taille que je fais. En fonction du rendu, en essayant au fur et à mesure. Mais je suis trop contente. Là, ce midi, je vais pas le lâcher. Là, dès que j'ai fini de filmer, je vais le reprendre, je vais le tricoter un petit peu. Ce matin, volontairement, je me suis dit, j'ai failli l'amener au boulot pour le tricoter. Et je me suis dit, non, Elodie, si tu fais ça, tu ne finiras jamais le châle monarque. Donc, j'ai été raisonnable. Je l'ai laissé cacher ici. Mais ce midi, je vais forcément céder à la tentation et le tricoter un petit peu. Donc voilà, donc qui dit un encours fini dit un nouvel encours monté. Et donc autre chose dont je voulais vous parler, c'est que ce week-end, je vais essayer de monter la petite robe Flora que je compte faire pour la pitchoune. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai ressorti un peu donc, les laines que j'ai envie d'utiliser. Et puis, hop, elles sont ici. Et puis j'ai commencé à me faire sur Excel la grille de jacquard pour voir comment j'allais mettre les couleurs. Parce que Amy m'a envoyé un message en me prévenant que les couleurs, elles ont un peu été... Enfin, les couleurs sur la grille qui est dans le patron ne sont pas positionnées comme les couleurs sur le modèle qu'elle montre en photo. Mais je suis en train de penser que si je vous montre la grille de jacquard, ça va être... C'est pas bien pour la designeuse, vu que c'est un modèle qui est payant. Comment je vais faire? Je vais juste vous montrer une toute petite partie. Enfin bon, ceci dit, quelqu'un qui a envie de reproduire la grille, il regarde la photo, il peut la faire. Je sais pas. Non, je vais éviter quand même. Mais je vous montre en 2 secondes. Hop, tac, voilà. J'ai assorti, j'ai arrangé un peu mes couleurs pour que ça... pour me rendre compte un peu du rendu que ça peut faire. Et j'hésite à rajouter une 4e couleur contrastante ou pas. Donc c'est pas encore définitif, c'est en cours de réflexion. Mais donc je vais le monter en utilisant en coloris principal le coloris sauge d'Erirum Natura, qualité Ulysse. Donc là Ulysse c'est de la laine mérino scardée, c'est une épaisseur sport. 100% laine, il y a 185 mètres aux 50 grammes. Et ça fait un échantillon de 24-22 mailles en aiguille 3,5. Donc ça c'est pour le coloris principal. Et donc ensuite en coloris contrastant, je vais utiliser le doré, l'émeraude et du cyprès. Voilà. Et donc logiquement, en fait, les couleurs vont plutôt se mélanger dans cet ordre-là, a priori. Donc voilà, j'ai très hâte de la lancer parce que Amy l'a commencé du coup avant moi. Et apparemment, c'est très très addictif. Donc, ah d'ailleurs, ça me fait penser. Je dois envoyer du coloris cyprès à une abonnée. Pour qu'elle le double dans une couverture et en fait j'arrive plus à retrouver où on s'est écrit, donc j'arrive plus à retrouver ton adresse, donc si tu peux me renvoyer un message sur Instagram ou sur Discord, n'importe, pour me rappeler que c'est toi, parce que du coup je me rappelle plus de ton pseudo, j'arrive pas à te retrouver, donc si tu peux voilà, me faire un petit signe, comme ça je t'enverrai une partie des restes que j'ai. Mais donc voilà, je vais monter ça ce week-end, je pense. Je vous montre juste, donc c'est cette petite robe-là. Et puis ouais, hâte de la monter. Je pense que c'est un projet que je vais pas forcément tricoter tous les jours, mais que je vais tricoter sur des grosses sessions de tricot pour que ça avance vite. Mais donc voilà, j'ai hâte de les monter, j'ai hâte de voir ce que ça donne, les coloris ensemble. Alors je suis pas sûre de pouvoir beaucoup avancer encore ce week-end parce que lundi je garde à nouveau ma filleule et en plus il va pas faire beau, donc je sais pas comment je vais l'occuper, ça va être... je sais pas comment je vais l'occuper, mais donc bref, donc du coup je sais pas dans quelle mesure je vais avoir beaucoup de temps de tricot ou pas, je vais voir, mais bon dans tous les cas je peux très bien tricoter une 15aine de rangs et puis c'est pas grave si je l'avance pas après pendant un moment, j'ai le temps, hein. De toute façon la petite elle arrive pas tout de suite non plus, et puis je vais pas le faire en taille naissance, ça pour le coup, je vais faire ça, je pense que je vais la faire en taille 12 mois, soit 9 mois, soit peut-être 9 mois, 9 ou 12 mois, je me tâte, je verrai. Voilà, et donc ensuite, ce dont je voulais vous parler, Hop. Alors déjà, pour ceux qui le savent pas forcément, il y a Eleonore pardon, du compte Fille de Nuage qui fait les vlogs Mars. Donc si jamais ça vous dit d'aller checker ses vlogs, moi je les regarde, j'aime trop le format vlog avec Eleonore. Et Eleonore a fait un truc hyper sympa pour nous, c'est qu'elle a... Elle a fait des espèces de fiches récapitulatives des différents calendriers de l'Avent qui sont proposés par différentes teinturières pour les personnes qui veulent commander un calendrier mais qui veulent voir un peu les différentes options qui s'ouvrent à elles. Donc je trouve ça hyper cool, merci Elé d'avoir fait ça parce qu'en plus ça doit te prendre du temps, c'est du taf. Je trouve que cette année les teinturiers ils sortent les calendriers encore plus tôt que d'habitude et moi j'avoue que j'avais pas forcément prévu ça dans mon budget là maintenant tout de suite. Mais bon, on va trouver des solutions, c'est pas un problème. Mais du coup là a priori je pense que je vais essayer d'avoir celui de Bulbizarre parce que déjà c'est le thème me plaît, c'est ah mince, Frozen, la Reine des Neiges, donc c'est plutôt cool. Le moodboard qu'elle a mis je le trouve très beau et en fait c'est surtout aussi que j'aime bien le format, c'est pas que des mini de 20 grammes et en fait je pense que j'ai envie de m'acheter au moins un calendrier laineux tous les ans, mais si je n'achète à chaque fois que des calendriers laineux avec des mini de 20 grammes, je vais avoir du mal à les écouler dans l'année et au bout d'un moment je vais me retrouver à accumuler plein de mini. Donc deux options pour cette année, soit je prends des calendriers qui n'ont pas forcément ce format là, et en l'occurrence Bulbizarre de ce que j'ai compris, il y aura des jours avec que des goodies, des jours avec des échevaux de 50 grammes, 100 grammes ou 20 grammes, donc c'est un format qui me conviendrait bien, en plus que la thématique me plaise, donc je vais essayer de la voir, mais en sachant que bon, à mon avis, va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir son calendrier, donc je sais pas dans quelle mesure je vais y arriver, on verra. Et après sinon, il y a le calendrier d'arco-iris qui me dit, mais c'est un format de 20 grammes de mini, donc après elle propose une option où c'est un demi-calendrier, donc je me dis que peut-être ça pourrait être la solution, mais ça veut dire que je me retrouvais quand même, quoi qu'il en soit, avec 12 mini. Donc je vais quand même guetter notamment les calendriers de Artemis Yarns, donc elle a deux marques en fait, elle a une marque Artemis Yarns qui est la plus connue et une marque qu'elle teint, où en fait c'est de la laine qu'elle teint de manière naturelle. Et sur ces deux calendriers, les thèmes ont l'air pas mal, les moodboards ont l'air pas mal. Et là, je sais que l'année dernière, donc Eleonore avait pris le calendrier Artemis et c'était un format où il y avait un écheveau de 100 grammes par semaine. Et c'était pour tricoter un châle, un modèle de châle qui était très sympa. Donc je vais peut-être essayer de prendre ça. Donc de prendre le calendrier Artemis et de prendre... Ah, il y a une perruche. Dans le sud, il y a des perruches en liberté de temps en temps. Et là, il y a une perruche qui vient de se poser dans l'arbre en face de chez moi. Pardon, rien à voir. Donc je pense que je vais partir pour prendre le calendrier d'Artemis et prendre le calendrier de Bulbizarre. Donc de prendre deux calendriers, mais pas deux calendriers qui s'ouvrent tous les jours. Voilà. Sinon, on m'avait conseillé de regarder le podcast My My My, je vous en ai parlé. Je l'ai regardé, effectivement très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour jeter un coup d'œil à son podcast qui était très cool. Et donc dernière chose que j'ai à vous montrer pour cette semaine, c'est la commande que j'ai reçue de chez Didier. Je suis trop contente, je vous en avais parlé, donc je lui ai commandé 3 écheveaux de sa base Yak, bah, je vais vous la montrer de toute manière, mais donc j'avais gagné un concours, j'avais un bon d'achat de 50 € et donc du coup j'ai utilisé mon d'achat en rajoutant un petit peu pour m'acheter 3 superbes écheveaux d'une base luxueuse. Donc Didier quand il envoie sa laine, il y a une petite carte au fil d'horus avec un petit mot pré-imprimé. Et donc, j'ai pris... Tada! C'est merveille! Ça faisait longtemps que j'avais pas racheté du rouge. Donc, je lui ai pris 3 écheveaux de fingering de sa qualité Theb Tibétain Single. C'est 65% Merino Superwash, 15% Yak, 20% Soie. Donc, c'est un fil qui est très très brillant et très très doux. Et donc il y a 480 mètres aux 120 grammes et le coloris c'est le coloris 7. Donc voilà ce que ça donne, superbe. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que en fait je suis en train de regarder si je peux pas trouver un patron qui se tricote en fingering parce que doubler avec du mohair ce fil qui déjà seul est très beau, ça m'embête un petit peu. Mais en même temps, j'ai un peu du mal à trouver un patron qui me convient sur ce fil. Je pourrais éventuellement me retricoter à nouveau un Zaza de Marie-Amélie. Ça serait une option. Mais bon, j'ai déjà tricoté deux fois, même si la deuxième version, malheureusement, a été mangée par des mites. Et du coup, j'ai dû le jeter. Mais donc, il y aurait éventuellement le Zaza. Et sinon, j'avais pensé à un autre modèle. C'est lequel déjà? Je ne sais plus. En fait, j'aurais bien aimé tricoter quelque chose que j'ai dans ma bibliothèque, accessoirement, parce que j'ai plein de patrons que j'ai pas encore tricotés. Mais en fait, récemment, il n'y a pas beaucoup de designers qui sortent des pulls en fingering. Donc j'en ai pas tant que ça. Non, je vais pas retrouver, je vais pas perdre du temps à chercher devant vous pendant des plombs. Et ce que je me suis dit, c'est que si jamais finalement je trouve pas mon bonheur et que je le double avec du mohair, déjà je doublerai ça, je pense, avec la lace de chez Lang pour pas que ça prenne trop le dessus sur le coloris, parce que c'est un mohair qui est pas très épais et qui est très brillant aussi, donc ça jouera pas sur l'aspect brillant. Et à ce compte là, si je fais ça, je l'utiliserai, je pense, pour tricoter le pull Ribbed Jumper de Anne Wenzel, qui est celui-ci. En fait, c'est un pull en raglan avec un col roulé et des côtes brisées. Et je me dis qu'en rouge, ça serait sympa, ce modèle-là. Par contre, j'ai commencé à regarder un peu en ligne pour essayer de trouver un mohair qui irait bien avec. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Parce qu'en fait, c'est un rouge un peu cerise. Très beau, très beau, très beau. Mais donc voilà, je suis super contente. Si jamais tu passes par là, Didier, merci encore pour ce concours qui m'a permis de les avoir à un prix tout à fait... plus que raisonnable, donc merci beaucoup. Et puis j'ai très hâte de les tricoter parce que c'est des merveilles de douceur, hein. Franchement, c'est vraiment des merveilles de douceur et le coloris est très 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 beau. Je vais prendre avec ça ma photo de couverture de l'épisode. Et donc je vais vous laisser pour cette semaine, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je suis contente d'avoir pu vous proposer une vidéo, même si elle sera peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, malgré mes lundis bien chargés en ce moment. Donc on se retrouvera la semaine prochaine probablement pour un nouveau vlog, ou sinon la semaine d'après, encore une fois là sur le mois de mars. Si vous voyez que je suis absente une semaine, ne soyez pas inquiets, ça sera juste lié à mon planning agenda qui est un peu plus chargé que d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout le monde va bien surtout, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye!